yende ma ko abi nda ko wemmi e ba bibi ni bora mama khabi la yo no blontia no blontia mi sa de won no idai bo mama de ba wa pe mi budo mi ni wa de ku ko do fi le nda ko mi ra da ku da ku la ti je bi e ke yi ni wa ko ko a ko jesu he ba na ko de ko ati be do mi bo la ko la ku ni da no pe mo mbe we ke de mi ni wa la ni yo ba yesu ya il y a un peu de temps, mon d'accord. Bon, ma dit le quoi, moi, on peut dire comme il va. Demi, moi, on dit bien le côté, mais si on tient le mien, prophète de l'eau, il a encore caméra. Donc, on me dit, n'a pas une job, non caméra, il est mien, et n'a pas pour la soupe. Bon, évidemment, je vois, il y a son petit, vous êtes mis face à l'eau, caméra, c'est à quoi. Deuxième, mes parents étaient mes bouvailles qui dorment. Tu vois, n'a pas fait un an, comme il déposait le dossier, le gourmand, un cadre sportif là, comme il déposait d'abord un an, comme il se résultat de poids. Comme il a dit, on me l'a dit, mais ne sont pas là, tu t'aimes bien. Quand il y a un an, il y a une semaine à pleurer, et tu es ironique. Si, et tu en es, il y a un département, alors il y a un ironique, mais il y a un ironique. Mouse.
vindo o povo da minha eu de grande jogo e nem tudo o povo nem manuteu quando aí um bom dia virou porque você pode me você até você porque o povo do sul agora nem do dia do no vento nem dia do no vento é responsável dirigir a obra lá sans a minha viagem na Côte d'Ivoire mano bom mulher viagem no Côte d'Ivoire nem me cacar boa mulher vá quase leva bom isso mais é um wise minister. Vai caminhar lá, moa mulher bisicó, o coche cabo, nem na bloco aí, mas me deu um filho que esse é o matumbra, como eu venho ele aqui por lá é, então me é meu filho que é tão fofo, ele dá de mim filho ali, mas é claro, mas eu não confio, mas não mulher como eu tomo, mas é coche minha na leva aí lá, mas eu confio, bom vá, dem vá, é para leva aí banco, dem vá o time meu, cat respire. Bom vai banco de um aí ó você cada de você ir lá você do o do tinha aí quase de um do bom e aí cada um vou contar do um vou falar de ti vai aí do coa esse coa você dormir desse dormir coa e lá esse cada de tua você não se coa dormir você cada na e lá tinha de cada espire de um curso de coa para um dia e um dia você a outro dia você viu bem de novo. Quando o filho acabou de beber, ele já foi com o avô. Quando ele acabou, ele já tinha por grande. Então ele não se conhece nem. Ele não se conhece nem o que ele não se deu por exemplo na casa dele. Ele não é muito bom. É só que não vira nenhum. Logo se for você não vira nenhum. C'est après avoir commis le ministère que Dieu lui a donné l'emploi qu'il faut. Et quand elle est venue la seconde fois, elle était tombée au moment où papa était en train de distribuer des enveloppes pour le soutien de TV. Elle a pris le soutien. Quand elle a pris l'enveloppe, c'était tombée à un moment où on devait organiser le programme passé, le programme des 4 jours passés. Elle l'avait tenu quand même respecter, rester ici pour faire le programme avant de partir. Mais le soir où elle est venue, elle m'a dit, on l'a appelé en même temps pour dire qu'il y a un voyage. Il a un voyage en Côte d'Ivoire, elle doit partir. Elle a vu l'homme de Dieu, l'homme de Dieu lui a dit, il faut partir seulement. La grâce est avec toi. Amen. Elle est venue à un moment où on partageait les enveloppes pour le soutien de l'homme de Dieu. Et dans le même temps, elle avait rien sur elle. Je vais trouver les moyens communs que Dieu fasse quelque chose pour que je puisse avoir les sous pour pouvoir donner. Et c'est comme ça, le lendemain, on a appelé, son téléphone a sonné et on dit, on a péché de toi. Or, nous sommes dans une période où on doit faire la prière 3 jours, ton cas n'est pas impossible. Oui, papa. Et elle disait qu'elle doit suivre obligatoirement. Exactement. Elle doit suivre obligatoirement. Avant de partir. Parce qu'on l'a appelée pour la Côte d'Ivoire. Elle est footballeuse. Elle est footballeuse. Elle est footballeuse. Elle est footballeuse. Dans l'équipe nationale du Bénin. Du Bénin. Et on l'a appelée. Oui, papa. Et maintenant, elle est venue me voir et dire qu'il faut partir la garde aussi. Et c'est comme ça, elle est partie. Oui, papa. En Côte d'Ivoire. Et elle a joué. Elle est revenue. Elle a constaté qu'on a viré l'argent pour tout le monde. Mais il restait pour elle. Et ce que les banques disent, ton argent n'est pas prêt. Elle est obligée de partir au ministère. Demander comment il peut faire. Et on lui disait que l'argent est déjà viré. Elle est revenue maintenant. Et le banquier dit, on a déjà viré l'argent. Elle veut prendre l'argent. Et on dit, ta carte est expirée. Quelqu'un dit power. Les serpents ont dit tu vois le sang mis par. Dis à ton prochain,
On ne s'amuse pas avec moi. On ne s'amuse pas avec moi. Et en même temps, les gens lui ont payé malgré la carte expirée. Et elle a reçu ça parce qu'elle a participé seulement à l'enveloppe au titre. Les zouzous Antraya Akataya. Yes. Ce que tu as dans le cœur. Le point à lui a été mis. Que tu as pris l'enveloppe. Oui, ça s'accomplit. Je dis, ça doit et ça doit. Et au nom de Jésus. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, papa. Vas-y. Oui, quand des hippos, on doit faire le corps dans moi, nous, voilà. Quand on combat le corps, tout le monde, des on réalise de le corps. Des espèces, il y a des mots, au moins des demi-passages, on a un peu de courage. Ben là, quand tu as un peu de courage, des canadiens vont quand même à son tombeau dans l'air. Ben là, ils ont gardé ce trait à l'hippos, oui. Ben là, ils ont essayé quoi de courir, ils ont essayé pour aller mener. Bon, c'est quoi un peu, ben c'est mi, bon, mi, mi, déjà, ça passe à l'heure. Amor, o livro de Nádio, e não a zona, e eu nunca abro o livro.
Mais nous sentis dans notre tabac. Dès que nous avons des prières aujourd'hui, dès que des prières aujourd'hui, on va y rendez-vous à un prophète. Dès que rendez-vous à un prophète, on peut être prophète. Pour prophète, nous, on va prendre un peu de témoignage, on va prendre un peu de témoignage. On va prendre un peu de témoignage, on va prendre un peu de témoignage. Et nous, on va prendre un peu de témoignage, on va prendre un peu de témoignage, on va prendre un peu en voulant partir à la maison, qu'elle a commencé par impliquer et avec le temps, elle a constaté que le kiss a complètement disparu. Elle a été restaurée, elle a pu rendre grâce à Dieu ce soir. Deuxième témoignage, elle a un enfant qui ne s'entendait pas du tout avec son père. Et à l'école, les études n'allaient pas du tout pour l'enfant. L'enfant ne occupait que la dernière place. Et ça a été une douleur immense pour elle, qui est sa maman. Elle amène souvent la photo de l'enfant ici et chaque fois elle prie pour cet enfant-là. Mais elle les avait passés, elle a constaté que l'enfant a quitté l'étape de dernier et est premier. Elle a pu aussi rendre grâce à Dieu. Troisième témoignage, elle a hérité d'une parcelle que son papa l'a laissée. Elle a voulu prendre la parcelle pour aller payer une autre parcelle quelque part d'autre. Mais ces grands-frères se sont carrément systématiquement opposés.
mais pas la prière en ligne. Elle a connu ici la fois passée et comme elle vient ici chaque fois, elle met ce sujet dans son cœur, dans sa prière, avant d'appliquer l'onction. Le grand frère l'a appelé récemment pour dire à combien veux-tu vendre ta parcelle. Elle a donné le prix, ils se sont compris et le dimanche passé, le grand frère quittait Cotonou à cause d'elle et lui a compté one by one le billet qu'il faut pour payer la parcelle. Elle a pu rendre sa vie ce soir. Amen. Je suis là. Et vous comprenez déjà tout ce qui se passe. Le mari, une femme spirituelle vient coucher avec elle, avec lui, souvent dans son sommeil. Et ça gardait beaucoup tout ce qu'il entreprenait, ça ne marchait pas. Et ça le dérangeait sérieusement. Et depuis qu'il a commencé ce ministère, il a plus vu cette femme spirituelle-là qui vient la déranger. Et il a été restauré. Il a pu voir sa vie ce soir. Amen. Il en prie, parce que reçois ta délivrance. Reçois ça maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Regardez quelqu'un qui se mouille chaque fois qu'il dort. Lui est dans le bouffon, et moi je voudrais lui mettre faim. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Quand il sera difficile à cet homme de se marier. Et là, on fait au libéral, à moi, si vous parce qu'il a déjà une force spirituelle. Maintenant, s'il se marie, la femme sera combattue par l'esprit là. Et difficilement sa femme va concevoir. Il sera en train de courir fatigué. Là où la délivrance est importante. Amen. Depuis là, il n'a plus du temps spirituel. Et on dit ici. Mais on finit que tout le monde tombe beaucoup. Si tu tombes, tu es libéré. Tu n'es pas qui est de ne pas tomber et avoir tout le temps de problème. Reçois pour toi maintenant. Tout esprit te nuit. Qui te combat maintenant? Nous les délogeons, nous les délogeons. Au nom puissant de Jésus. Je reprends au nom de Benjamin Yamassou et je voulais te demander pour ce que le Seigneur a fait pour la vie de ma nièce. Et l'émotion a fait peur et a tremblé encore un moment. En fait, la sœur a fait une petite fille qui a pratiquement 4 ans aujourd'hui et qui l'a brûlée complètement parce qu'elle tombe souvent malade. Fréquemment, elle est malade déjà deux mois, et on parle de sang, le sang manque plus, elle s'évanouit à tout moment. Et il fut un moment où son ventre a commencé par valoriser et elle n'allait plus à la selle. Et elle s'est retrouvée à l'hôpital. Son papa, le papa de la petite fille au moulin, a fait tous ses traitements traditionnels.
il s'est gêné. Ce n'est pas qu'il va quelque part pour le faire auprès de notre nom, mais lui, avec toutes ses connaissances, il s'est gêné, mais il n'a pas eu de solution. La sœur est en train de me parler, j'ai commencé par parler à la sœur, et puis finalement, il a dit, bon, si votre Dieu peut quelque chose, je remets la fille dans la main de ce Dieu-là. Et ils sont allés dans une église et on a fait convertir la petite fille. On a coupé les cordes, tout ce qui est au cou et au rein de la petite fille. Et je leur ai dit, même à l'hôpital, que j'ai quelque chose que je devais leur envoyer. Je lui ai envoyé l'unction. Et elle a appliqué l'unction. Elle a fait boire l'unction. Elle a passé sur tout le corps de la petite fille. Après quelques 30 minutes, la fille a commencé par vomir. Elle vomissait. À la fin, elle s'est sentie fatiguée et puis elle a dormi un tout petit peu. C'est quand elle s'est réveillée de son sommeil qu'elle a commencé par aller à la selle. Du fait que la scène n'était pas une scène ordinaire. Et la petite fille sortait des trucs qui l'étonnaient. Mais comment est-ce que ces choses pouvaient se retrouver dans le ventre d'un homme, d'un être humain, que ce n'est pas imaginable. Et il fut un moment où la fille aussi s'est endormie. Elle a appliqué encore l'intention. La nuit profonde qu'on m'appelait, moi je n'avais pas pour déclencher, c'était au-delà de 23 heures. Et le lendemain, quand j'ai vu l'appel à l'absence, je m'étais dit que la petite fille était déjà partie. Et c'est quand je l'ai rappelé, la soeur me disait que la fille dormait tellement qu'elle aurait voulu aller dans une église céleste à côté pour qu'on prie pour elle, pour qu'elle se réveille, parce qu'elle ne comprend plus ce que je lui ai envoyé. Elle a dit non. Attends, quand le Seigneur va finir, elle va se réveiller pour se finir. Opération sans doute. Mais quand elle s'est réveillée, après près de 4 heures de temps d'affilée dans la journée, c'est fini, on les a libérés de l'hôpital, elle n'est plus allée à l'église, elle est rentrée à la maison. Et son papa a dit, c'est quel Dieu. Encore recommandé maintenant, elle me dit, lui ne va plus jamais quitter la petite fille jusqu'à la fin de sa mort. Elle me cherche à tout moment maintenant. Et je suis venu pour témoigner ceci, que je t'ai passé dans la vie de la petite fille qui est ma nièce. Je vous remercie Seigneur. Ça va faire au-delà de nos entendements. C'est ça, papa. Une notion. L'onction qui est devant. Ah, mais c'est ça, l'ordre de Dieu. C'est l'onction de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction du désert. Amen. Amen. Si la vache de vol et la mienne pour qu'on a ses points de vue, l'autiste ne veut plus répondre. C'est ça. Pour tout en être. L'autiste ne répond plus à l'autre sang. C'est ça. Et l'autiste ne peut plus répondre ici.